Bonjour à tous, bonjour à toutes. Good morning everyone. Je vais vous faire une confidence. J'aime l'industrie. Today I'm going to tell you something. I love the industry. I love industry because it's one of the rare places in the 21st century where you still find magic. Magic, it's an idea that becomes a product. It's robots and humans dance. It's the magic of the place where you cannot distinguish the worker and the new person from the one that has 30 years experience. The magic of a place where you cannot distinguish between someone arrived 40 years ago in France from someone who's just arrived. I like the industry because it's where we are slowly transforming the economy. And when I was asked to join the government, they told me, we're talking about growth, we're talking about macroeconomics, we're talking about economic diplomacy, but we're not talking about humans enough. We're not talking about the entrepreneurs, the industrial leaders, and you have worked in the industrial world, and you need to be the face individually and are the richness of our country. You need to make their voices heard within the government, and you need to allow us to accompany them individually so that they are all... Ça m'a bien plu, et je suis arrivée avec mon équipe à regarder quel pouvait être le fil rouge de notre action. Et en fait, la stupéfaction que j'ai eue, c'est la capitulation de nos politiques depuis 30 ans sur l'industrie. La capitulation industrielle. Le fait que pendant 30 ans, on ait systématiquement mis de côté l'industrie parce que, on sait bien, en France, on a des idées et on n'a qu'à laisser le reste des pays du monde fabriquer à notre place. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Et cette mission de reconquête industrielle est désormais le fil rouge de notre action. La reconquête industrielle, c'est la reconquête. C'est-à-dire qu'on sait ce qu'on a perdu et on sait ce qu'on doit gagner. On sait qu'on va devoir aller chercher emploi par emploi, site par site, projet par projet, usine par usine. On sait aussi que ça ne va pas se faire tout seul. La conquête, c'est une quête ensemble. C'est une quête qui suppose que, bien sûr, il y ait des politiques, des élus, des services de l'État qui soient mobilisés. Mais c'est une quête qui suppose qu'on soit à vos côtés. Et c'est une quête dans laquelle vous, vous êtes centrale. C'est ça que nous voulons mener aujourd'hui. Et lorsque je regarde 3 ans après où on en est, je me dis qu'on a toutes les raisons d'espérer. Toutes les raisons d'espérer parce que on a créé en 2017, en 2018, en 2019 des emplois industriels. Chaque année, des emplois industriels nets. On a des raisons d'espérer parce qu'il y a 2 fois plus de projets de développement industriel, de sites industriels, qu'il y a 2 ans, cette année, en plein milieu de la crise. On a des raisons d'espérer parce que depuis 3 ans maintenant, nous sommes la destination préférée des étrangers pour faire des projets industriels en Europe. En 2020, on se paye même le luxe d'être devant l'Allemagne, le Royaume-Uni et l'Espagne réunis. Alors oui, on a la raison d'espérer. On a la raison d'être fiers. Et assez paradoxalement, aujourd'hui, notre problème, c'est pas d'avoir des projets, c'est pas d'avoir des contrats, c'est peut-être de lancer des lignes pilotes, comme tu me disais un instant, Nicolas, mais ça, on va le faire avec le plan d'investissement qu'annoncera le président de la République la semaine prochaine. Non, c'est de changer le regard des hommes et des femmes de ce pays sur l'industrie. C'est de partir à la conquête des cœurs et de l'imaginaire dans l'industrie. Et pour ce faire, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous pour que vous ouvriez vos entreprises aux classes de primaire. J'ai besoin de vous pour que vous accueilliez des professeurs des collèges, des gens qui orientent les jeunes, peut-être même des parents, des proviseurs,
pour leur montrer ce qui est réellement votre métier, pour montrer que l'industrie, ce n'est pas gris, ce n'est pas has-been, mais que l'industrie, c'est l'endroit où on invente, c'est technologique, c'est le vaccin qui va nous sortir de cette pandémie, c'est le robot really qui va sur Mars pour explorer, c'est la fusée que l'on pourrait utiliser. L'industrie, c'est tout ça, that's going to help us in the future. Industry, it's all of this. And to do so, we need to change the way young people see the industry. And how can you do this? You can become mentors, for example. If you are all a young person's mentor, to show them that they have an amazing potential and that they have so many possibilities, well, you could change the way that people see the industry. It's apprentices, it's trainees, it's all of this that you can do to allow your country to grow. It's something very small, but maybe we could delete this line on job offers that says driving license mandatory, because obviously the young people, they are going to have their driving license at some point, but they still need to find a job in the meantime. And after with this, you can give young people the will to work within the industry. You can also give back handicapped people dignity. You can also give pride to women and people who work in the industry. You can be proud for people who work in the industry. You're doing something for your country and for magic, and this is what you're making possible. Thank you very much.